Un autre jour est un film britannico-américain qui nous raconte la 20e aventure du plus charismatique des espions, Hubert Bonisseur de la Batte. Mais c'est pas censé être maintenant la chronique sur OSS. Je parle bien évidemment de... Bond. James Bond. Sorti le 20 novembre 2002, il marque le 40e anniversaire de la franchise cinématographique qui débuta en 2002, moins 40, je retiens 3, en 1962 avec James Bond contre... N'en dis pas plus, sinon je n'aurai plus rien à dire tout à l'heure. Pour fêter ce double événement, nul doute que les producteurs ont eu à cœur de rendre hommage à ce personnage mythique du cinéma en engageant des personnes compétentes, à commencer par un metteur en scène qui a déjà fait ses preuves. Oui. Enfin... C'est le réalisateur néo-zélandais Lita Maori qui hérita du projet, lui qui avait réalisé l'excellent L'Âme des Guerriers. Et visiblement les producteurs se sont arrêtés là. Avant d'enchaîner avec des projets parfois moyens, et parfois moyens mais ça passe. Comment ça, à couteau tiré, un film moyen mais ça passe? Ah mais oui, pardon, c'est pas le bon. Bref, de toute façon, un film ne se limite pas à son réalisateur, et nul doute qu'une attention toute particulière sera accordée à l'intrigue. Oui. Enfin... Meurt un autre jour marque le retour des scénaristes Neil Purvis et Robert Wade, déjà à l'œuvre sur Le Monde ne suffit pas. Qui n'est pas vraiment le meilleur opus de la franchise. Bon, il y a du budget au moins. Ah, ça oui par contre. Plus de 140 millions de dollars, ce qui en fait à sa sortie le volet le plus cher de la franchise. Tout ça pour être considéré comme étant le plus mauvais par une bonne partie de la presse et du public, comme l'illustre cet article de Combini. Tu n'as pas de meilleure référence? Si, j'ai également ce commentaire très argumenté de un visiteur, sûrement venu d'ailleurs. Convaincu. Meurt un autre jour débute par la scène mythique du Gun Barrel avec une balle en 3D du futur qui fonce sur nous, une nouveauté tellement excellente qu'elle ne sera jamais réutilisée. Puis on retrouve James qui sort d'un hélico en pleine Corée du Nord. C'est pas vraiment une destination de rêve. Surtout que les gens ne parlent pas français. En plus. Mais fort heureusement, j'ai sous-titré les dialogues en anglais. Oui, heureusement. Heureusement. Du coup, j'ai rien compris, si ce n'est le fait qu'il se fait passer pour un contrebandier du diamant, mais il se fait vite cramer. Comme il avait tout prévu, James décide de les cramer en retour en faisant exploser sa mallette, puis une voiture, puis toute la base. Y a quel mot dans agent secret déjà? Ben... agent. Ah oui, c'est vrai. Puis se lance à la poursuite du méchant militaire qui se défend à coups de mitrailleuse, lance-flammes, ou tout simplement à main nue, avant de faire un saut dans l'inconnu. Sauf que Bond s'est déjà douché ce matin, et plutôt que de sauter dans l'eau pour s'enfuir, il préfère se faire capturer par un général qui, impressionné par la hauteur d'au moins 10 mètres, déclare « Mon fils est mort ». Puis on enchaîne avec le générique qui nous montre l'espion subir les pires tortures, parfaitement retranscrites par une autre torture auditive. Une chanson interprétée par le robot de Madonna que j'aimais bien étant enfant. Mais bon, vous savez que je n'étais pas vraiment une référence. On retrouve un James en mode seul au monde. Je vais encore chialer. Sur le point de se faire exécuter, même si le spectateur sait que ça n'arrivera pas. À la place, il se rend à Silent Hill et croise en chemin le militaire qu'il avait fait exploser avec sa mallette, devenant ainsi Swarovski Man, un homme qui valait 3 milliards et donc une parfaite monnaie d'échange. Suite à un petit somme, l'agent retrouve M. Il lui dit bonjour, elle lui répond « Si ça avait dépendu de moi, vous seriez toujours en Corée. » et qu'il est emprisonné ici car elle le soupçonne d'avoir trahi le MI6. Du coup, il se remémore le générique, ce qui lui provoque un arrêt cardiaque, mais en fait c'est une ruse pour s'échapper. La prochaine fois, débranche juste la machine. Après s'être refait une petite beauté en rasant sa barbe de 14 mois, sans laisser le moindre poil sur la moquette, direction la Havane où Swarovski Man aurait été aperçu, sauf qu'il se laisse rapidement distraire par Catwoman qui a délaissé son costume car elle le vaut bien et qui répond au nom de Jinx. Visiblement condamné aux couvertures pourries, il se fait passer pour un ornithologue. Et ça tombe bien car elle meurt d'envie de voir son petit oiseau. Comment ça? Ben, il goûte aux fruits défendus.
Il baisse, quoi. Ah, d'accord. Faut que tu sois plus explicite aussi. Hein. Le lendemain, Bond se rend sur une île qui abrite une étrange clinique et s'y infiltre en se servant d'un handicapé qu'il jette dans le couloir pour faire diversion. Habile. Avant de chercher un passage secret subtilement dissimulé... Non, pas tant que ça. La prochaine fois, mettez juste une poignée. Comme le hasard fait bien les choses, il tombe immédiatement sur Swarovski Man allongé dans une étrange machine qui le transforme en Monsieur Propre. Monsieur Propre. Sauf que ce dernier se réveille, ça fait bagarre au ralenti, cache-cache dans les couloirs, puis il est pris en chasse par Jinx et son beau pistolet. Tu peux rater ta cible une fois, mais pas 6. Nope. Ah bah si, tu peux. Bon bah du coup, il s'enfuit, tout comme Jinx qui prend d'abord le soin de retirer sa robe, ce qui, heureusement pour James, effraie les militaires. On a vu ses lolos. Après quasiment une heure, le film nous introduit enfin son grand méchant grâce aux questions subtiles de journalistes parce que, plus le temps, un certain Gustav Graves et son sourire d'enfer. On a le droit à un caméo inutile de Madonna qui passait furtivement récupérer son chèque, puis James rencontre Gustav et le provoque en duel. À toi de jouer. Un duel dont l'intérêt se résume à tout casser et à savoir qui a la plus grosse. Moi je sais. Allons jusqu'à finir ensemble, mais pas d'inquiétude car... C'est pour rire, Miranda. Elle a vraiment aucun humour. Mais c'est qui Miranda? C'est elle. Et? C'est la conseillère de Gustave qui en réalité est une agent infiltrée, mais en fait c'est une traite qui travaille vraiment pour Gustave et finira par se faire tuer par Jinx. Tu viens de spoiler la fin du film en fait. Bah non, j'ai encore rien dit pour la mort du méchant. Pas faux. Comme il n'est pas rancunier, ou comme le scénario est au point mort, Gustave invite James au lancement d'un certain projet Icar qui aura lieu en Islande. Mais avant de s'y rendre, James retrouve M qui lui rend son job et son petit calibre qu'il s'empresse d'astiquer avant d'être interrompu par une fusillade au cœur du MI6, causant la mort de personnages bien connus de la saga. Wow. Attends, film. Es-tu en train de prendre une direction totalement inattendue qui révolutionnera la... Non, c'est une simulation sans aucun intérêt, si ce n'est nous rappeler que les bonnes idées ne seront qu'illusions. Direction donc l'Islande, où Bond est accueilli par un homme qui n'apporte rien à l'intrigue, si ce n'est la meilleure réplique de tout le film. Je suis Mr. Kill. Il y a des noms de famille qui tuent. C'est parce qu'en fait... Ouais, non... Puis l'espion fait son entrée dans un palais de glace où il vaut mieux ne pas faire tomber ses clés et qui visiblement semble bien chauffé. Bah non, sinon la glace fondrait. D'accord, mais tu as déjà porté une robe à dos nu alors qu'il faisait moins 10? Alors c'est super drôle que tu poses la question parce que une fois... Pendant ce temps, le méchant de Souviens-toi l'été dernier arrive également au palais, mais en réalité il s'agit de Swarovski Man dont la présence nous dévoile la plus grande révélation du film. Alors certes, là sans le son, on dirait qu'il va plus lui rouler une galoche. Embrasse-moi, grand fou. Mais on apprend que Gustav Graves n'est autre que Tan Sun Moon. Le militaire coréen du début. Ah, mais tu prononces mal aussi. Ce qui veut dire que James aurait pu s'enfuir en sautant dans l'eau, mais bref, pas le temps de réfléchir que l'on enchaîne avec la présentation du fameux projet Icar, à savoir un satellite capable de refléter la lumière du soleil. Et c'est tout? Évidemment que non, car après avoir suivi les sbires de Gustave grâce à son Aston Martin invisible et aussi silencieuse, alors que bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le moteur d'une V12 Vanquish. Parce que moi non. Mais ça ne doit pas être si discret. Enfin bon, je disais, après avoir discrètement suivi les sbires de Gustave, il se fait cramer et doit s'enfuir. Heureusement, Jinx c'est plus effi... Ah bah non. Mais comme les méchants ne semblent pas pressés de la tuer, James a le temps de creuser un trou, battre le record du monde de nage sous glace et flâner dans son jacuzzi avant de venir la sauver. Sa bagarre avec Mr. Kill, dont le nom doit être Bill, et celui-ci finit transpercé par un sabre laser. Il y a des noms de famille qui tuent. Pas le temps de niaiser que l'espion retrouve le grand méchant, mais il se fait trahir par Miranda qui en fait était une traîtresse. Non. Ça sent le sapin, mais évidemment, James arrive à s'échapper et vole la Formule 1 sur patin de Gustave, puisque les clés étaient sur le contact. Du coup, il est un peu vénère et transforme le satellite Icar en étoile de la mort capable de tirer un rayon destructeur, mais préfère viser à côté parce que... C'est un abruti. Et après être rentré dans une forêt, mais en fait non, James se retrouve pris au piège au bord de la banquise. Allez, on va en finir. Eh ben pas vraiment, puisque Gustave s'amuse à faire fondre la glace plutôt que d'anéantir son ennemi une bonne fois pour toutes, sûrement parce que... C'est un abruti. Mais merci, car cela nous offre une merveilleuse scène où James utilise un parachute et une plaque de métal pour créer une voile et une planche de kite. Pendant ce temps, Jinx est sur une pie... Ah bah non. James retourne tranquillement au palais, mais se fait cramer par Swarovski Man, des champions, qui le poursuit avec sa Jaguar équipée d'une vision thermique et d'une mitraillette. Moi j'en ai pas sur ma DS3,
L'option était trop chère. Ça fait donc vroom vroom, pam pam, boum boum, le tout servi avec de magnifiques plans accélérés, puis ralentis, puis re-accélérés, et se termine dans un palais de glace en train de fondre où le méchant monsieur tombe dans l'eau avant que James ne lui fasse tomber un lustre dessus. Enfin dessus. Oui, au ralenti, on voit qu'il tombe clairement à côté, mais bref, il en profite pour sauver une nouvelle fois Jinx qui était au bord de la noyade en la jetant dans l'eau. J'ai abandonné. Une fois séché, les deux agents partent en Corée du Nord pour arrêter Gustave et son étoile de la mort qu'il peut maintenant contrôler avec son armure d'Iron Man version AliExpress, bricolée en 5 minutes avec deux morceaux de plastique et des lacets de Converse. Une armure qui, une fois portée, détruit tout son charisme. Encore faut-il en avoir. Il active le rayon destructeur et observe son œuvre depuis un cockpit aménagé lors du décollage, parce que bon, là il n'y en avait pas, que James brise avec son revolver. Le Mistral souffle dans la cabine et des militaires se font aspirer. J'ai bien entendu. Ah d'accord. On en est là alors. Comme il ne reste plus que James et Gustave, ça fait bagarre. Coup, esquive, coup, avec bien entendu de gros ralentis, punchline. C'est temps d'affronter la pesanteur. Et Gustave Grace fait un petit tour dans le moteur. Pendant ce temps, Jinx. Évidemment. Puis là aussi ça fait bagarre, mais d'abord elle enlève son haut. On a donc combat à l'épée avec bien entendu de gros ralentis, figure acrobatique qui vaut une médaille d'or au JO, punchline qui montre toute la tendresse du personnage. Pute. Et Miranda fait dodo. Les deux espions s'enfuient en hélicoptère, sauf que celui-ci ne démarre pas, et c'est au terme d'un suspense insoutenable que James tire sur son manche pour régler la situation. Puis le film se termine par une phrase qui résume à elle seule toute la lourdeur de ce que nous venons de voir. Oui, mais je suis bonne. Merci madame, et c'est la fin de Meurs un autre jour. C'était pas vraiment le meilleur cadeau qu'il pouvait faire pour la saga. Car oui, disons-le tout de suite, Meurs un autre jour est un film bourré de défauts que je vais me faire un malin plaisir à vous énumérer. Manquerait plus que je m'en prive. Mais avant toute chose, ce 20e opus est un hommage, loupé certes, mais un hommage quand même à cette saga intemporelle qui jalonne l'histoire du cinéma, une saga hors norme sur laquelle je me dois de revenir. Et ça tombe bien car je me suis tapé les 25 films pour cette chronique. Les 25, vraiment. À commencer par James Bond contre Dr. No. Évidemment. Mais aussi Permis de tuer. Oh oui. Ou encore L'Esprit qui m'a tiré. Également. Mais c'est pas un... Et Moonraker. Bon, tu vas pas tous me les faire. James Bond vit le jour le matin du 15 janvier 1952 sous la plume du romancier britannique Ian Fleming et paru l'année suivante dans Casino Royale, un roman qui s'écoula à 8000 exemplaires la première année. Ce qui est bien, mais pas top. Un résultat modeste, sans impact sur la volonté de son créateur, puisque ce n'est pas moins de 12 romans et 2 recueils de nouvelles qui parurent jusqu'à sa disparition en 1964, dont un certain Bon Baiser de Russie qui apporta à l'espion britannique sa renommée internationale lorsqu'il fut mentionné dans le magazine Life du 17 mars 1964. C'était un vendredi, comme faisant partie des 10 livres préférés du président américain fraîchement élu, John Fitzgerald Kennedy. Ce coup de projecteur inattendu propulsa l'agent 007 sur le devant de la scène littéraire internationale, et ses aventures se déclinèrent sous différentes formes, des comic strips du quotidien Daily Express aux nouvelles des magazines Playboy. Ça reste de la littérature, hein. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé à quoi correspondait le matricule 007 ? Absolument pas. Et j'en ai rien à foutre. Eh bien, le premier zéro signifie qu'il a l'autorisation de tuer, le second qu'il l'a déjà fait, et qu'il est le 7e agent à recevoir cette autorisation. Il ne faudra attendre que peu de temps avant que le cinéma ne s'intéresse à ce héros en transposant à l'écran sa 6e aventure, James Bond contre Dr. No. Un James porté par le charismatique Sean Connery, grand vainqueur d'un concours devant plus de 600 participants, alors qu'il venait tout juste de tourner dans Au bord du volcan de Terence Young, réalisateur de ce premier James Bond. Coïncidence ? Je ne crois pas. Grâce à ce film, Sean Connery rentre au panthéon des légendes du cinéma en devenant le tout premier interprète de l'agent 007. Alors oui, et pas vraiment. Puisqu'en 1954 est diffusé sur la chaîne CBS Casino Royale, première aventure télévisée de James Bond avec Barry Nelson dans le rôle titre, sur lequel je ne vais pas m'étendre car il s'agit d'un téléfilm appartenant à la série Climax. Et car c'est déjà assez compliqué comme ça. Toutefois, il est intéressant de le mentionner, bon, déjà pour votre culture générale, mais aussi car son succès critique conduit Ian Fleming à écrire un script pour une série télévisée qui ne verra jamais le jour. Un script à l'origine de son 6e roman James Bond contre Dr. No, première adaptation cinématographique de l'espion britannique, mais ça vous le savez déjà. Enfin, si vous avez écouté. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce film possède déjà toutes ces petites choses si caractéristiques de la saga. Plusieurs choses, comment ça ? Déjà, celui-ci débute par sa fameuse scène du Gun Barrel sur un thème mythique composé par Morty Norman. On retrouve également un méchant vraiment pas gentil, des courses-poursuites, de la bagarre, des explosions et une James Bond girl électrisante qui succombera au charme irrésistible de l'agent 007 dont la one-liner marquera à jamais l'histoire du 7e art. Monsieur,
Sarah Connor. Un rôle que Sean Connery endossa dans pas moins de 5 films, parmi lesquels des classiques du cinéma, clôturant son épopée en 1967 avec On ne vit que deux fois, lassé par ce personnage devenu trop envahissant. En effet. Il est donc remplacé dès 1969 par George Lazenby, un acteur jusqu'alors inconnu dont l'aventure bondienne débuta dans Au service secret de Sa Majesté et se termina dans Au service secret de Sa Majesté, ayant refusé un contrat pour 6 films supplémentaires sous les conseils avisés de son manager qui prédisait une fin de carrière à l'espion britannique. Par contre, la sienne, il a pas vu venir. 1971 marque donc le grand retour de Sean Connery, mais il devait pas s'éloigner du rôle. Et tu ne devais pas trop mettre au sport. Sean Connery donc. Qui renfile le costume dans Les Diamants sont éternels, un film que je vais devoir revoir non pas parce qu'il est excellent, mais parce que je me suis endormi avant la fin. Ah, donc j'avais raison, tu ne les as pas tous vus. Une aventure bien en dessous des précédentes, sur laquelle du coup je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'elle acte définitivement la fin de l'ère Sean Connery. Alors oui, et pas vraiment. Puisque, comme l'annonçait le générique, James Bond reviendra une nouvelle fois sous les traits de l'acteur en 1983 dans Jamais plus jamais, sauf que ce film ne fait pas partie de la timeline officielle. Attends, t'es en train de me dire qu'il existe un film avec Sean Connery? C'est ça. Qui interprète James Bond? Tout à fait. Mais que ce n'est pas un vrai James Bond? Exactement. Ah non, c'est clair. Officiel ou non, Jamais plus jamais sera la dernière apparition de Sean Connery dans la peau de James Bond. Alors oui, et promis, c'est la dernière. Néanmoins, dans la timeline officielle, il sera remplacé dès 1973 par Roger Moore, un acteur ayant acquis une renommée internationale dans les années 60 grâce à la série Le Sein, et renforcé dans les années 70 avec la série Amicalement Vôtre. Pendant près de 15 ans, il incarnera à 7 reprises un James Bond plus léger, équipé d'une surabondance de gadgets certes sophistiqués, mais souvent claqués au sol, qui l'aideront dans ses aventures toujours plus périlleuses, dont la démesure frôle avec la parodie, et ce jusqu'en 1985 avec Dangereusement Vôtre, puisqu'Amicalement était déjà pris. Ce qui fait de Roger Moore l'acteur ayant le plus porté le costume officiel de James Bond. Alors oui, et pas vraiment. Car si on compte Jamais plus jamais... Non, mais on compte pas. Une période d'une grande richesse que j'ai pris un plaisir fou à découvrir grâce à cette extravagance dont la saga semble vouloir s'affranchir dès 1987 en revenant à un univers plus réaliste, plus proche du héros imaginé par Ian Fleming. Pendant 2 films. Oui, car le succès n'aura pas été à la hauteur des attentes, la faute à des scénarios qui ne sont guère des bijoux d'écriture, des scènes d'action intéressantes mais qui souffrent de la comparaison avec la concurrence, et surtout ce costume est bien trop grand pour Timothy Dalton dont l'interprétation est loin d'être catastrophique, mais bien en deçà de ses prédécesseurs. N'en faites pas un drame. En résulte des films qui ne sont certes pas des chefs-d'œuvre, sinon je vous en aurais parlé dans une suite au top, qui ne sont pas des navets non plus, sinon je vous en aurais parlé dans une suite de trop, mais qui ne semblent pas en phase avec leur temps, marqués par des productions comme Indiana Jones et la Dernière Croisade ou encore Batman de Tim Burton. Jamais entendu parler. Ce James Bond ne vit donc que deux fois, un court moment d'égarement qui faillit tuer la saga, en même temps fallait peut-être pas lui donner le permis de tuer, avant que celle-ci ne se relève de la plus belle des manières dès 1995 avec tout simplement l'un des meilleurs films de la saga, GoldenEye. En un film, Pierce Brosnan s'impose comme étant le nouveau James Bond et arrive à nous faire oublier celui de Timothy Dalton. En même temps, bien plus que de réinventer le personnage, GoldenEye réinvente la saga en la modernisant tout en conservant son identité, promesse d'un avenir radieux pour l'espion anglais, du moins jusqu'au film suivant. Oui, car ayant placé la barre si haute, celle-ci ne cessera de redescendre un peu, puis beaucoup, malgré la présence de Hagrid avant qu'il ne rejoigne Poudlard, et ce jusqu'à ce fameux « Meurt un autre jour ». Désolé de sans arrêt te décevoir. Ce n'est pas ta faute, Pierce. Et malgré tout, je te considère comme l'un, si ce n'est le meilleur James Bond de toute la franchise, en toute objectivité, évidemment. Bon, là pour le coup, je dois avouer que j'ai une affection toute particulière pour cet acteur, déjà parce qu'il est sur la boîte d'un chef-d'œuvre du jeu vidéo. Je parle de GoldenEye, mais je l'ai pas. Mais aussi car il m'a accompagné durant toute mon enfance et m'a donné envie de découvrir cette saga où se seront succédés des acteurs tous formidables. Enfin, tous. Mais qui, malgré leur talent, n'arriveront jamais à égaler le regretté Sean Connery, puisque les diamants sont éternels. Je vous remercie. En tant que 20e opus de la saga, Meurt un autre jour aurait pu tomber dans le fanservice en inondant l'écran de références sans le moindre intérêt d'un point de vue scénaristique. Et c'est totalement le cas. Le film accumule tellement de références à ses prédécesseurs que vous les citer serait de la pure prétention. C'est pas mon genre. L'apparition de Halle Berry qui évoque celle d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No, ce décor qui fait écho à l'homme au pistolet d'or, ou encore le satellite meurtrier qui rappelle Les Diamants sont éternels, GoldenEye ou encore Star Wars, même si rien à voir. Oui, bah je me suis tapé les 25 films, donc j'ai un peu le droit d'étaler ma culture. Le livre sur les oiseaux que tient Bond est en réalité l'ouvrage qui a inspiré Ian Fleming, l'auteur n'étant autre qu'un certain James Bond. Je déteste qu'on coupe la parole. Mais c'est toi qui m'as demandé de...
Mais la scène la plus parlante reste celle du labo de Q, où les plus foufous d'entre vous pourront faire pause et s'amuser à chercher toutes les références à défaut de trouver Charlie. Ce qui est bien plus intéressant que tout le reste du film. Comme la saga nous l'a si souvent démontré par le passé, que serait James Bond sans un antagoniste à sa hauteur? Eh bien, Meurt un autre jour nous donne la réponse, puisqu'il nous introduit un certain Gustav Grace, et qui est Hudson Moon, et qui est un antagoniste d'une banalité affligeante, souhaitant conquérir le monde, bon, déjà parce qu'il est méchant, subtile analyse, mais surtout parce que... Ah bah non, c'est tout. Oui, ne cherchez pas davantage de développement sur ses motivations personnelles, ni sur son parcours qui l'aura amené du fils défunt d'un militaire nord-coréen à un milliardaire britannique adoubé par la reine, parce que c'est comme les bonnes idées dans Silent Hill Révélation. Il n'y en a pas. Ce ne sont que des faits que le spectateur doit accepter sans la moindre explication, à l'image de ce plan machiavélique à base d'étoiles de la mort et de palaces aux murs de glace extravagants à faire jalouser la reine des neiges. Non. Chut. Non. Après, je dois reconnaître que je suis pas un expert en armes de destruction massive, mais 14 mois pour élaborer un tel engin, le construire et l'envoyer dans l'espace tout en se faisant ravaler la façade, ça me semble un peu juste. À titre de comparaison, j'ai mis 6 mois à construire ce truc. Alors certes, ce genre d'extravagance n'est pas une première dans l'histoire de la franchise, mais ça n'en fait pas une bonne idée pour autant. Et on est tout de même bien loin d'un Auric Goldfinger, Hugo Drax ou Hank Scorpio, dont les motivations ne se limitent pas qu'à cette soif de pouvoir, mais cachent en réalité des intérêts personnels, puisque pour ces antagonistes, le monde ne suffit pas. Dominer le monde, toujours le même vieux rêve. À défaut de partager les qualités de ses illustres prédécesseurs, Gustav Grace possède l'un de leurs plus grands défauts, cette faculté à laisser Bond en vie jusqu'à son inévitable évasion, après avoir eu tant de mal à le capturer. Et pour le coup, je ne vois que deux explications. Soit il préfère le voir mourir un autre jour, pas sûr, soit il est un peu con, plutôt, comme en atteste cette dernière scène où finalement le plus choquant n'est même pas cet avion qui passe à travers un rayon laser, on n'est plus à ça près, mais ce dénouement totalement absurde où Gustav prend le temps de chuchoter un dernier mot à l'oreille de Bond plutôt que de s'échapper, ce qui causera sa perte avant que James n'ait le choix entre vivre et laisser mourir. Et bien évidemment, ce n'est pas la performance. Enfin, performance. Ce n'est pas la présence devant la caméra de Toby Stephens qui apportera au personnage un minimum de charisme, puisque contrairement à sa mère, il n'est pas magicien. Au-delà du fait qu'il est difficile de donner de l'envergure à un personnage avec si peu de développement, même si certains grands films nous ont prouvé que c'était pas impossible, encore faut-il vouloir s'impliquer dans le rôle, ce qui ne fut pas vraiment le cas de Toby Stephens. Gustav Grace est l'apothéose du ridicule. Belle analyse. Après, force est de reconnaître que celui-ci n'est pas aidé, puisqu'il est entouré par Swarovski Man, dont la principale utilité est de... J'ai pas encore trouvé. Mais il est là, car un méchant se doit d'avoir un bras droit. Un bras droit un peu gauche dans ses interventions, conjugué à un look improbable qui lui confère un aspect comique bien loin du mythique requin, dont il n'est finalement qu'une version parodique répondant au nom de Zao. C'est chelou. Gustav peut tout de même compter sur Marina Frost, une femme froide dont le nom témoigne à lui seul toute l'inventivité et la subtilité des scénaristes. Parce que Frost, ça veut dire gel. Attends, c'est pas toi qui vas nous apprendre des mots en anglais. Ah non, c'est Google Trad. Et dont la simple présence suffit à éclipser l'antagoniste principal, non pas par sa profondeur d'écriture, évidemment, mais par l'interprétation électrisante de Rosamund Pike qui lui donne toute son envergure, ce qui fait toujours une qualité et que les autres n'ont pas. Malheureusement, c'est bien la seule, puisque Marina Frost est elle aussi un personnage défini par sa fonction dans le récit, à savoir apporter à l'intrigue son lot de retournements, sauf que... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas à cause de cette histoire aussi palpitante qu'un dimanche pluvieux devant Walker Texas Ranger, mais moi j'aime bien Walker, dont la PN d'inévitable anéantit toute notion de suspense, mais aussi car je n'ai plus aucune confiance en Rosamund Pike depuis sa relation avec Ben Affleck, mais surtout car cela a déjà été fait à maintes reprises dans la saga, et pas besoin de remonter très loin, preuve que James a davantage de libido que de mémoire. Une libido qui, une fois de plus, occupe une place prédominante dans cette aventure, puisque toutes les femmes succombent à ses avances avec une facilité déconcertante. Alors oui, il est indéniable que sa classe, sa carrure et son charme lui procurent un charisme certain, comme beaucoup d'hommes finalement. Mais James doit posséder un je-ne-sais-quoi que les autres n'ont pas. Sûrement son Goldfinger. Et bien que cela fasse partie de l'ADN de la saga, ici les scènes de séduction massive deviennent très rapidement agaçantes, et pas seulement parce que moi j'y arrive pas. Déjà, oubliez toute notion de sensualité, puisque celle-ci est écrasée par la lourdeur affligeante des dialogues. Attends, ne le retire pas tout de suite, s'il te plaît. Des scènes qui, au mieux prêtent à sourire, au pire sont totalement malaisantes, dignes des anciens téléfilms de M6 du dimanche soir. Ah, la bonne époque. Mais surtout, elles font passer ces femmes pour des trophées sans la moindre valeur, que James quitte au petit matin, puisque l'espion est volatile. Je suis ornithologue. Une nuit à laquelle Jinx n'échappera pas, deux fois, ce qui est très étonnant tant cette nouvelle James Bond girl s'impose dès la première apparition comme une femme forte pleine de secrets. Alors là, ça se voit pas tout de suite. Mais une fois sortie de l'eau, on découvre une espionne intelligente, pas toujours adroite, mais ça va, et surtout courageuse,
courageuse comme la saga nous en a offerte qu'à de trop rares occasions, durant 20 minutes. Oui, car malheureusement, elle sera rapidement réduite au stéréotype de la demoiselle en détresse qui se fait capturer, puis libérée par cet homme inarrêtable, avant de se refaire capturer, puis libérée à nouveau par cet homme invincible, avant de se... Oui, on a compris l'idée, merci. Ben non, j'allais dire avant de se souvenir qu'elle sait se battre pour un ultime affrontement 100% féminin. Une dernière scène explosive qui ne suffit pas à étoffer cette James Bond girl dont la présence se résume elle aussi à sa fonction très réductrice, celle de n'exister rien que pour vos yeux. Et c'est vraiment dommage, tant Alibéry nous prouve ici tout l'étendue de son talent qui ne se limite pas à son charme, preuve qu'elle est plus à l'aise avec une arme qu'avec un fouet et un costume commandé sur AliExpress. Malgré le manque d'envergure du personnage, un spin-off fut un temps envisagé, un temps très court, puisqu'il fut annulé, officiellement parce que... Officieusement, car les résultats décevants de certaines productions mettant en avant des personnages féminins ont fait flipper le studio qui commit l'erreur d'assimiler ses échecs à ses héroïnes, alors qu'il existait une toute autre explication. C'est de la merde. Et pourtant, Meurt un autre jour possède les mêmes défauts que certaines de ses productions des années 2000, sans doute influencées par le succès de certaines d'entre elles, à savoir une succession de scènes d'action dont la surenchère semble être le maître mot, en dépit de toute cohérence, puisque les scénaristes ne nous demandent pas de réfléchir. Et ça tombe bien, c'est ce que je sais faire de mieux. Chacune d'elles repousse les limites de l'absurdité, accentuées par des gadgets improbables et totalement abusés qui donnent à James une supériorité démesurée dont visiblement il n'a pas besoin, puisqu'il nous prouve à chaque scène sa nature surhumaine, officiellement dévoilée aux yeux de tous dans la bande-annonce de Black Adam. Aussi extravagante soit-elle, ces séquences sont loin d'être mémorables, pas même ce duel d'escrime sans surabondance d'effets pyrotechniques est plutôt bien chorégraphié. Si tu la cites, c'est qu'elle t'a quand même marqué. Une surabondance de surenchère qui pousse le spectateur bien au-delà de ce que notre suspension consentie de l'incrédulité est prêt à accepter, une notion fort intéressante que nous verrons dans une prochaine chronique. Oui, enfin, depuis le temps que tu la teases. Néanmoins, ces scènes d'action décomplexées ont au moins le mérite d'être lisibles. Alors oui, ça devrait être le minimum. Mais c'est tellement rare dans cette chronique que je suis presque ému de vous le mentionner, à tel point que je suis prêt à accepter ces effets d'accélération et de ralenti typiques des productions des années 2000 qui, couplés aux effets numériques peut-être novateurs pour l'époque, et encore j'ai des doutes, confère à ces scènes un charme nanardesque irrésistible pour tous ceux ayant accepté que ce James Bond n'avait rien de plus à offrir, pouvant aisément être renommé « Le ridicule ne tue pas ». Une citation qui semble définir la réalisation de Lita Maori, tant sa mise en scène oscille entre le « pas top mais ça passe » et le carrément médiocre avec ses petits éléments qui font les mauvais films, à savoir des faux raccords, des perches dans le plan, ou encore ses plans repris au calme depuis un autre film de la saga, qui sont indéniablement les plus réussis du film. Un résultat proche de la catastrophe qui, bien évidemment, lui permet d'enchaîner dès 2004 avec un autre film à grand budget, Triple X The Next Level, que l'on pourra faire dans une autre suite de trop. Ben non, faut au moins que le premier soit excellent. Puis 3 ans plus tard avec Next, avec Nicolas Cage. S'il continue de creuser, il va trouver du pétrole. Alors du pétrole, il n'en aura pas vraiment trouvé, vu les résultats désastreux de The Devil's Double, sorti en 2011, qui est pourtant son meilleur film post-James Bond. Pas compliqué, cela dit. En dehors de ses scènes d'action, ce scénario insipide, ce méchant dépourvu de charisme et son plan à la con, bref, si on exclut 90% du film, il est possible d'entrevoir dans ce Meurt un autre jour des idées intéressantes, alors pas extraordinaires, hein, comprenez-moi bien, mais intéressantes comme ses décors eux aussi extravagants, et surtout cette première heure où l'on suit un James Bond tourmenté durant un générique chanté par une Madonna autotunée bien loin d'une Tina Turner, mais qui colle parfaitement à l'ambiance du film, c'est pas vraiment un compliment du coup. Avant que celui-ci ne se lance à la recherche d'une taupe guidée par son esprit de vengeance, livré à lui-même sans armes ni gadgets, même si finalement bien aidé par des facilités scénaristiques qui rivalisent avec celles de l'âge de glace les lois de l'univers. Un James Bond, à l'image des autres personnages, réduit à sa simple fonction de divertissement, prisonnier de cette structure narrative sans imagination aussi bien sur le fond que sur la forme, et pourtant une nouvelle fois convaincante, uniquement grâce à la performance irréprochable de Pierce Brosnan dont ce sera la dernière apparition à l'écran, même si celui-ci ne semble pas partager mon avis. Je n'ai jamais été assez bon comme Bond. Je vous épargne mon accent anglais. Par modestie, évidemment. Mais du coup, Meurt un autre jour est-il vraiment le pire volet de la franchise? Évidemment. Mais c'est justement parce qu'il est le pire James Bond qu'il ne peut être considéré comme étant le pire volet de la franchise. Alors oui, dit comme ça, c'est pas très clair. Vu ces innombrables défauts que l'on mentionne depuis 10 minutes, il est indéniablement le plus mauvais épisode de la saga et paradoxalement l'un des plus rentables. Mais si on prend suffisamment de recul sur ce qu'il est, ou que l'on a bu une bonne chouffe avant, il en devient un vrai plaisir coupable débordant de générosité jusqu'à l'overdose. Un divertissement à la frontière
entière du nanar qui déplaira aux fans pour les mêmes raisons qu'il sera apprécié par certains, mais devant lequel l'ennui est impossible, une qualité que ne possèdent pas certains de ses prédécesseurs. Ce James Bond ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît, et ne ressemble à aucun autre, à tel point qu'après avoir visionné 19 films en 4 jours, Meurt un autre jour a été un pur moment de divertissement. La fatigue sans doute. C'est un objet filmique passionnant, ancré dans son époque qui marque la fin de l'ère Pierce Brosnan, et plus largement sonne le glas d'une certaine vision de James Bond. On a été trop dans le fantastique, on devait revenir sur Terre. En somme, c'est un peu le Batman et Robin de la franchise. Sauf qu'il n'y a pas Schwarzenegger. Et ça... Pour que les aventures du plus célèbre des espions continuent de nous émerveiller, la franchise se devait de se réinventer en s'adaptant à son époque tout en conservant son identité, au risque de disparaître sous le poids de la concurrence. Heureusement, James nous démontre dès 2006 que mourir peut attendre avec l'excellent Casino Royale, 21e film qui lancera une nouvelle ère dont on parlera dans une prochaine chronique, preuve que pour James Bond, il n'y a pas de mission impossible.